Et c'est à tout, je pense que vous allez bien. On se retrouve pour la seconde partie de nos multijoueurs sur Gran Turismo 4 avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Salut à tous et à toutes. Et donc, on va partir sur un petit peu différent cette fois-ci. Enfin, on va essayer de faire des games un peu différentes. On va faire des voitures des années 80. Et je te propose de. On va prendre. Moi, je vais juste prendre une anglaise, après, tu fais ce que tu veux. Je vois un petit peu ce qu'on Je vais a dans essayer les de années suivre, 80. je vais essayer de suivre quand Mais même. je veux dire qu'il y a beaucoup de choses en fait dans les années 80 en anglais. Alors ça va être 91. Déjà ça sera mort un petit peu à ce niveau-là. Land Rover, c'est un concept donc il n'y a pas de date. Aston Martin des années 80, il n'y en aura pas. Mini. Ouais, ça c'est l'échec. Hein. Jaguar, rien. Et Lotus Elise, que dalle. Ouais, non, 80. Bon, mais tant pis, on va aller chez les Italiennes, voir ce qu'il y a encore les années 80. Pas du tout, c'est magique. Ah, j'aime bien la petite Alfa Romeo cabriolet. En fait, il fallait qu'on pousse à 90, quoi, à peu près. Sinon, il n'y a que dalle. Attends, je reviens ici, c'est quoi ça? 79. Ouais, trop bien qui. Ah, je vais tenter, tiens. Auto Bianchi, bon. Ok, 70 chevaux. Ouais, 70 chevaux, on va la Faut que j'essaie de prendre prendre un en. truc à peu près comme ça. Je vais la prendre En bleu en. ciel. Oh oui, en. C'est joli Lancia en vrai. Blue. On J'ai va des goûts de enlever le meilleur. chiottes. Mais non, attends, je reviens parce que j'ai encore le. J'ai encore bugué sur le choix. Bon, tant pis. Ah, c'est Abarth. Ah, ok. Hein. Pas d'aide évidemment. Dommage, il n'y a pas Non, attends, d'Axiom. c'est quoi? On va mettre. Vas-y, continue, continue. Mets ta voiture. Donc, ouais, j'ai pris une année de moins, mais on va dire que ça. Je mets comme ça. Alors, bon, Tu c'est prends ce combien de que tu chevaux toi veux. déjà? 70 chevaux, c'est ça? Ouais, 70 chevaux, mais elle est légère, donc bon. On va dire dans Qu'est-ce ce que je vais genre. pouvoir prendre? Un Ford, qu'est-ce qu'ils ont chez Ford? Ah, bah 59 chevaux, mais elle est un peu plus Ouais, moderne. mais ouais, elles sont vraiment modernes. Hein. T'as l'année en dessous à Et du droite, hein. coup, est-ce que c'est un peu. Non, ça, je vais te mettre une pâtée avec ça. Il pâtait avec une Ford Ka. Vas-y, on redevelop ça là pour voir. Oh bah vas-y, bon bah vu que tu fais le mal, hein. Allez, vas-y, on voit. Donc, du coup, on a totalement changé d'avis. T'as pu la prendre jaune canari quand même, quitte à faire. Ah bah non, moi je suis. Je suis un papy. Enfin. Je prends des voitures dans des couleurs dégueulasses, comme ça je suis sûr de jamais pouvoir les Alors, revendre. t'as plus de puissance brute, j'ai moins de chevaux. J'ai plus de chevaux, mais t'as plus de puissance brute. Je pense que je suis un petit peu plus léger quand même. Écoutez-moi ce rugissement de Ford Ka. J'ai pas encore démarré le moteur. Ah, et même l'anti-patinage qui s'est déclenché. Ah, je sens que tu vas me pourrir, je sais pas pourquoi. Ah non, on est quasiment kiff-kiff, hein. Oh mon dieu, je n'ai pas de joystick. C'est pas Comment ça? grave. Ah oui, On va jouer tu comme joues. ça. Ah, mais change J'ai perdu d'analogue, souvent. appuie sur le bouton contrôle. C'était quoi le bouton déjà? Ah, je sais plus. Non, mais c'est pas grave, on va s'en contenter. Alors, on a un petit peu improuve la qualité Eh, mais dis du donc, petit en joueur. fait. C'est vraiment pourri la Ford Ka. J'ai surestimé la voiture, mais complètement. J'essaie de jouer l'embrayage pour. Ah, pour faire un. Oh là là, mon dieu! Ah là là, le pot de yaourt! Regardez-moi ça! Oui! Ah là là, est-ce que ça va être la vidéo de la revanche, cher spectateur? Quand je pense que mon père en a eu une. Après l'humiliation de la dernière vidéo sur GT4. Attends, faut que je te raconte une anecdote sur la voiture que je conduis actuellement, là, pour une fois que c'est une anecdote. Alors, enfin, un petit 3615 ma vie. Donc, comme je disais, mon père a déjà eu cette bagnole. Il l'a racheté à quelqu'un. Il a fait 200 bornes et il l'a foutu sur le toit. Et il l'a revendu. Oh. Voilà, fin du game. Carrément, quoi. Ah ouais, non, non, mais voilà. Ah, c'est une voiture, on dirait pas comme ça, mais c'est une petite sportive de l'époque et c'est sympa. Bon, du coup, t'as repris de l'avant, je suis à 140 km/h. J'ai pris de l'avance et je compte bien la conserver. Oh, le tricheur, quoi! Ah bah, il faut Vous que je avez vu récupère. ça? Vous avez vu ça, chers téléspectateurs? Le mec, il utilise le rail, quoi! Ah, quelle honte! Une honte pour tout le sport automobile français te regarde, Kim. On se ne nous regarde pas. Aïe aïe aïe. Bon bah ben là ouais.
Oh là là, oh là là, oh là là. Elle est pas, elle est pas si, elle est pas très amusante à pilotée quand même, hein, la Bart. C'est quand même un veau. En tout cas dans le jeu. Oh là, elle esquive. Mais elle a 10 fois plus de patates, ma voiture en fait. C'est quoi cette merde? Salaud! Il va encore m'humilier! Mais limite, ce que je te propose, c'est quand on prend une bagnole, on prend la même à chaque fois. Mais non, mais c'est marrant comme ça. Mais non, mais justement, on est sûr au moins d'avoir le même niveau quoi. On est sûr d'avoir au moins. Je vais devenir un même à force de me plaindre de perdre. Mais non, mais justement, ça au moins on part avec le même sous pied d'égalité. C'est plus... Mais tu sais quoi sur notre circuit spécial qu'on fera à la fin de la vidéo? Je te propose effectivement qu'on prenne la même voiture, ça marche. Allez. Alors attends, c'est quand même sympa aussi de se faire des petits duels. Il est peu probable en vrai que deux amis qui se tirent la bourre sur le circuit aient la même voiture. Oui, sauf si tu fais un rassemblement là. Un rassaut Ford K. Un rassaut Ford K. Tu roules en Ferrari, mais tu es totalement has-been, alors regarde ma Ford K. C'est totalement surpris. Hein. Putain. Je déteste cette bagnole. Ford K. Ça, il y avait la première Ford un petit peu remontée, la première SUV, la Ford. J'avais bien, je trouvais le design de l'intérieur assez funny pourtant et assez fun en fait, mais genre c'est tout. Hein. Après, ouais, c'est vrai que c'est pas la voiture la plus passionnante de la Terre. Le mec fait un frein à main, mais ne drifte pas. Non. Je sais pas comment il fait. J'ai même pas freiné, hein. J'ai juste fait du frein à main du début jusqu'à la fin du virage quoi. Il a... Oh mon dieu, quelle bataille! C'est incroyable, les fous du volant! Attention, ça va très vite. Ah oh là là! Non, tu pas! C'est mort! Ah c'est mort! Pas cette fois, Kim! Tu ne m'humilieras plus, c'est terminé! Eh oui, mais j'ai la meilleure vitesse! Mais non! Mais non! Non, non! C'est inadmissible! Je refuse! Salaud! Ah! Oh non! Je peux pas y croire! Putain, j'ai encore perdu! C'est la double humiliation! Oh putain, qu'est-ce qu'on se marre! Ah mon dieu! Beau finish, beau finish! Bon, alors, en tout cas, j'ai tout donné sur cette course, je pense que. Ouais, mais il y avait une inégalité! La barre était plus puissante quoi! Enfin, Mais c'est pas logique! Je sais pas de quoi vous parlez. On dirait une petite voiture de mamie quoi. Alors on va partir sur un petit peu de glace et après on prend un petit peu de terre. Bon, peu importe le circuit, je t'avoue, je ne me souviens pas absolument pas du circuit. Donc du coup, je n'ai aucun avantage. Quel serait ton type de véhicule que tu voudrais prendre? Bah, des véhicules de rallye, non, logiquement. Ou alors les versions série des véhicules de rallye. Et là, ça pourrait être intéressant. Ok, on part là-dessus. Alors, du coup, véhicule série de voitures de rallye. Je vais tenter ça. On va voir si elle y est. Attention, là tu me proposes des trucs. Ça va être compliqué. Alors, bon, il n'y a pas eu de Nissan PO en rallye, je vous rassure. Ah ouais, non, mais ça c'est la grosse déception en fait. Des voitures de rallye. Ah, y aurait une. Ouais, mais ça c'est trop. Ça c'est trop. Je voulais une Asylon, tu vois, un truc. C'est la facilité. Ouais, Toyota, bon, il y aurait la Corolla, mais bon, la Corolla c'est laquelle qu'on a. Ah si, il y aurait ça là, la GT Four. Ouais, je vais prendre la GT Four. Pour ceux qui n'ont pas connu, c'est la version 94-95 de la Tour de Rallye. Je vais la prendre en... on va prendre en blanc. Et évidemment, on peut rien changer. Donc tu as 231 Alors, chevaux à rattraper. Combien de chevaux? 231. Ouais, 231. Moi je voulais voir... Nos bonnes vieilles voitures françaises. Ah bah oui, ça peut faire aussi celle-là. Alors je te préviens,
On est sur de la glace. Je vais prendre une pâtée. Alors, on est sur de la glace. J'ai la Peugeot et tu nies mon 10 à conduire. Mais bon. En plus, j'ai aucune expérience en rallye dans Gran Turismo, j'ai toujours été nul à chier. Non, mais il n'y a aucune expérience de rallye à avoir dans Gran Turismo, le seul jeu est une merde pour les trucs de rallye. Quel beau bruit quand même. De ouf, mais grave. Oh là là, quel gentleman. Je te laisse faire. J'avais pas le joystick. Allez, je vais essayer de la jouer propre façon Trophée Andros. Et c'est tout de suite un échec. Ah ouais, c'est super chaud. Hein. Alors, est-ce que ça va être intéressant quand même? Parce que ça fait pas longtemps que j'ai pas. Je me souviens encore que dans Gran Turismo 4, le rallye était quand même encore assez cool. C'est vraiment à partir du 5, du 6 que c'est devenu de la merde. Alors, il faut la mettre en patineur, en usinage. Limite, on aurait dû faire avec des petites bagnoles pourries. Non, c'est bien là, c'est bien. Avec qui maîtrise le mieux la glisse. Aïe. Ah, c'est déjà fini le tour, voyons, c'est rempli. Pourtant, moi qui suis un surfeur de neige, entre guillemets. Surfeur de neige. Surfeur d'argent, sans argent. On peut pas dire. Quel bâtard. Faites-moi des dons sur mon PayPal. Voilà, faites-moi des dons tout de suite. Non, non, non. Oh mon dieu, quel enfoiré quoi. Cette gratuité méchante, cette méchanceté gratuite. En forme de blague. Aïe aïe aïe. On est sommé. Ah, mais c'est l'erreur. Va-t-il pouvoir repartir? Oui, c'est bon. Oh, ah là, du coup, t'as fait pareil. Mais quel mongolo. Bon, ça va, j'avoue que ça reste sympa de conduire sous la neige avec ce... Ça change un peu, ça change. Tourisme 4, ça va. Mais bon. Voilà. 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 C'est pas comment oui. Te dire... Ah, c'est pas grave, hein. L'important c'est de participer. Super, hein. Aïe aïe aïe. Bon, après tu découvrais aussi. Hein, donc, c'est pas sur cette pas partie soucis, hein. Qu'on va résumer. Comme je dis toujours, je le prends bien. Hein. On va faire les deux. Ah oui, on va faire les deux. T'inquiète pas, c'est plus facile là. C'est moi qui choisis ma voiture là cette fois en premier. Vas-y, je vais le faire. Attends, pardon. Non, vas-y, bouge à nouveau. Et tu vois, il y a Selection by Manufacturer 1 et 2. Et je pense qu'on aurait tous les deux notre garage, on pourrait carrément prendre nos voitures et tout. Mais... T'as pas amené ta carte mémoire avec toi? Putain, tu prends ça? Oh merde, j'ai mis en automatique. Bon, bah, c'est pas vas-y. Changer, hein. C'est une voiture de rallye. C'est une voiture de rallye. Putain, la vache. Le problème, c'est que je ne sais pas quelle puissance elle fait. Et je crois que pour trouver ce genre d'équivalent, ça va être compliqué. Nous allons chercher. Tu prends une Nissan Cube, c'est pareil, hein. Voilà, ça c'est pareil. Attends. Oh, on va trouver. Oh là. Alors ça jamais, hein. Par contre, je suis désolé. Bah voilà, on va trouver. Ouah. Je savais même pas que ça existait, quoi. Écoute, je tente, hein. Je ne sais pas si ça donne, hein. Ça se trouve c'est de la merde. Allons-y. Et comme elle est haute comme la tienne, je me dis bon. Attends, on va comparer. On pourra pas comparer. Par contre, il y a quand même le poids des anges, j'ai envie de dire. Ah ouais, carrément. À l'époque, les voitures c'était tellement secrètes, quoi, qu'on avait même pas la puissance. Quoi. Je vais désolé. Vas-y, refais ta sélection. Mets-toi en manuel s'il faut. Je vais changer la sélection parce que je pense que j'ai trop de. Je serais trop performant par rapport à toi. Je vais peut-être pas prendre cette voiture là alors. Ça va être trop compliqué sinon. Qu'est-ce qu'on a en rallye déjà? On a de la Volkswagen. Ah, t'es bien ça. Ou alors viens, on prend des voitures nulles. Oui, si fouille, ça je dis pas. Et nul sur un truc de grâce, ouais pourquoi pas. Mais pas trop nul quand même, faut que je donne un peu de patate parce qu'on va glisser à mort. Au moins entre 200 et 300 chevaux quoi. Moi je vais prendre la Mégane. Ah ouais. Ah mais non, y'a ça aussi sinon. Y'a ça. Bah ouais. Ah ouais, mais. Alors vieille voiture de rallye alors.
ça c'est bien ça. Mais après, tu prends ce que tu veux aussi. La manuelle. Non, mais c'est bon. Attendez. Ouais, mais ça me paraît un peu récent quand même. Enfin, je vais trouver, je vais trouver. On prend la même sinon. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Vous avez pris quoi déjà? Duel de Renault. Ah, quelle horreur. Non, je vais prendre Renault, la même. Je suis partisan du. Même je vais te mettre. Limite, je vais prendre celle-là. La deux séries. Franchement, tu vas me pourrir. Mais je vais quand même tenter. Bah, j'espère. J'espère. Je vais quand même tenter. On sait jamais. Je suis bon joueur, mais. Et limite, on fera la revanche avec la même bagnole si vraiment il y a trop d'écart. Qu'est-ce que t'en penses? On verra, on verra. Je ne comprends pas pourquoi on a la même voiture tous les deux. Ah non, parce que c'est la caméra de. Ah oui, c'est vrai. Il y a du Summer Song derrière. Je devrais me pourrir, hein, normalement. Ouais, c'est bon. J'imaginais, c'est bon. On est dedans. Alors, de là à dire si c'est une phase 1 ou une phase 2, j'en ai aucune idée. Ce qui est bien, stage c'est que. 72. Ce qui est bien, c'est que tu peux aussi m'aveugler. Wow, wow, wow. Ah, mais ce virage, il est impossible à prendre. Si en plus je pars en tête à queue, ça va pas le faire. Oui! Première victoire en perspective. Oh bah là, oui, je rappelle quand même qu'il y a 150 chevaux d'écart quasiment. C'est marrant parce que quand on est à l'arrêt, j'ai l'impression que les textures sont ultra dégueulasses, mais par contre, dès qu'on est un peu en mouvement. Bah justement, c'est peut-être pour ça. Ça rend presque bien. Alors, de tour en parcours ce circuit du Suisse Alpes ou les Alpes. Je conduis de papier en 4ème à 120. À secteur manuel. Bonjour Manuel. Bonjour, s'il te plaît. Je ne relèverai même pas parce que. Parce que là, bon, on a. L'amitié un point, mais ça va, mais bon. Ouais. Je sais que cette vidéo est pas sponsorisée, mais. Cette vidéo est sponsorisée par l'humour. Par l'humour, ouais. Allez. Oh, le panache de fumée n'empêche, c'est juste immonde. Bien fait pour ta gueule. Ça t'apprendra à m'humilier. Je m'en suis jamais remis après la dernière vidéo. J'ai remis toute ma vie en question, tu sais. Mais c'est fini. Maintenant, je win. Alors, paradoxalement, je pensais que je pourrais m'en sortir, mais elle a vraiment zéro grip, hein, ma caisse. Hein, c'est un truc de fou. Ah, mais là, je donne tout pour essayer de rester, de pas ne pas faire de tête à queue. Quoi. Je joue ultra safe. Alors que Kim donne tout. Ah bah, me rattrape. Faut quand même que j'accélère un peu, quoi, mais effectivement. Non, mais après, une patate de malade, 30 km/h. Ah, bah, c'est une voiture de saltimbanque. Bonjour, banque. Allez, le virage, on a tous les deux forêts. Salut. Oui, là, je prends bien. Oh mon dieu, mais il est juste derrière moi, il me colle au basque. Je suis pas basque, monsieur. Je veux pas que vous parlez. Moi, oui. Je me harcèle. Arsène Wenger. Oh putain, faut que j'arrête les blagues là, il est trop tard. Oui, arrête. Je t'en supplie. Arrête. On perd des abonnés là. Le compteur s'affole. Les compteurs sont tous dans le rouge. Le mec il perd des abos pour une vidéo. Bon, je crois qu'il est grand temps que tu me donnes les mots de passe de la ouais, chaîne. La chaîne que j'en prenne dessus. Ouais, c'est vraiment pas le moment de faire une erreur. Aïe aïe, c'est tellement rageant de vous rouler avec un vous quoi. Allez, on arrive dans les derniers secteurs. Il a la pression. Mais de ouf. Il a la sono. Non. On a fait la même. Hein. Non, 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 non. Ah, moi aussi j'ai fait la connerie. Oh, j'ai eu trop chaud. Ah, trop de pression là. Mais de ouf. Mais je pense que tu vas gagner. Normalement, j'ai aucune chance de te rattraper. Si je fais pas un tête à queue juste avant la ligne d'arrivée, quoi. Bon, je la joue méga safe, je n'ose pas accélérer et tout. Ah, c'est bon. Et c'est une victoire pour Guillaume. Oui. Merci, merci, c'est grâce aïe, à vous. Aïe, aïe.
C'est grâce à vous si j'en suis là aujourd'hui. Ouais, performance exceptionnelle. Bon, du coup, j'ai battu tous mes records. On avait dit qu'on la referait en mode. On prend la même. Non. Mais on prendra une autre voiture. Bon. On va. Non, mais moi je suis pour qu'on reste là-dessus. Ouais, j'ai quoi. Alors. Allez, viens, faisons un city course là. Allez. City course. Là, on a fait deux fois du rallye. Là. Attends, attends, faut pas booster. On va prendre Seattle. Oh non. Seal. Je te choisir ta voiture. Allons-y. Bon, une fois n'est pas coutume. Ah non, hein. Donc 300 chevaux à récupérer. J'aime bien le Magma Rot ou le Benstein Rot. Tu veux dire. Le rouge de Bordeaux. Benstein Rot, c'est Bordeaux. Ok. Krakenwagen, c'est ambulance. Yavol. Papillon, c'est Schmetterling. Yeah. Oh, je trouve Lisbeck. Alors, 300 chevaux quand même. On va rechercher un petit peu quand même. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Prendre en compte aussi que la mienne elle a un toit escamotable avec tous les moteurs et tout, ça fait du poids en plus. 300 chevaux quand même. Bon, on va falloir se réveiller avec ça. 300 chevaux. Ça j'aurais dû prendre tout à l'heure en fait. Allez, on va te faire une petite Civic en jaune. Ouais, t'es qu'à la moitié des chevaux là. Bah écoute, hein, on fera avec. Oui, je vais encore gagner. C'est parti. J'ai totalement l'avantage, mais c'est pas grave. Oui, je ne peux pas gérer l'accélération, vous aurez compris. Ah, mais ce circuit, je suis trop nul dessus aussi. Bon, déjà l'accélération, c'est pas trop ça. Moi, je ne vais pas l'attendre. Hein, parce que... Ah non, mais ne... faites monsieur, faites monsieur. Faites comme si j'étais pas là. Bon, faut quand même que je familiarise avec la voiture aussi. Alors que Guillaume a déjà utilisé cette bagnole avant quand même. Ah ouais, c'est celle avec laquelle je suis la plus familiarisée d'ailleurs. Donc, sur ce fameux circuit de Seattle, sorti pour Antoise. Wahoo. Et pour la bêta Antoise 2000. Ici, ah oui, vous êtes sur la Modern Street à droite, vous aurez. Non, je déconne, je connais rien. Donc... Il suffit que tu passes la seconde et c'est fini en fait. Hein. Ah, mais tu vois, moi je suis pas un pilote comme toi qui est casse-cou. Bon, moi je joue comme si ma vie en dépendait en fait, comme si c'était vraiment ma voiture. Dis-toi que toi et l'apparition vont coûter plus cher, voilà. On va dire comme c'est ça. En fait, je me prépare pour le jour où je vais vraiment aller au Nürburgring. Aïe aïe aïe. Bon, c'est là où les chevaux vont parler, je pense. Et l'ingénierie supérieure allemande aussi. Hein. La Dutch Quality. Voilà, comparé Mercedes et Honda. C'est dangereux ça. Ah ouais. Ah oui, oui, oui. Pourquoi je vais me faire défoncer par les gens. Ah oui, oui, je pense. Ouais, bah tu vois, Honda c'est qu'un gros sumo. Et voilà. Et Mercedes, de toute façon, c'est Mercedes, c'est la fille du colonel. C'est la fille du colonel dans GTA Vice City. Voilà. Exactement. Ah oui, Mercedes. C'est la fille aïe, du colonel. Aïe aïe aïe. Des bonnes références. Ah, ça va être chaud. En vrai, j'arrive quand même. Ça va être compliqué. On voit que tu connais bien le circuit parce que. Bah, je joue là-dessus un peu, hein. C'est un peu ma seule chance. Parce que là, franchement, à la régulière. Ouais, il a passé la seconde, je vais prendre 80 km dans la gueule, quoi. En plus, je fais des erreurs.
Et il va passer, il va prendre l'extérieur et le dépassement du pilote Mercedes. Le pilote avec d'énormes guillemets. Hein. Ouais. Le dépassement du Stig. Voilà, j'ai fait péter les rupteurs. Oh là là, quelle trajectoire! En fait, moi je conduis, je suis comme une liate. Putain, j'avoue. Ah, mais monsieur, enfin! Monsieur, enfin, mais faites attention! Un Mercedes! Vite, l'aspiration! Non, monsieur, partez pas, c'est pas le moment! Non! Attendez! Je vais brouiller l'air! Attendez! 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 Avec les coups et tout, quoi! Oh mon dieu! Comment tu conduis comme un jeune blouson noir? Mon dieu, mais il va au taquet, il en peut plus! On est dans les derniers hectomètres! Ce jeune est complètement fou! Je vais contacter votre assureur pour lui dire ce que vous faites sur la route, monsieur! Oh là là, c'est mal barré! Y'a la pression! Oh, la puissance! Power! Comme dirait Jeremy Clarkson. Oh mon dieu, non! Non! Jubilation! Oui! 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 Non! Quelle indignité! Quelle indignité! Oh mon dieu! Ah, mais t'avais trop l'avantage en plus! Fais juste que tu sois tranquille joué, à la dernière chicane, quoi. Franchement, bien joué. Avec 120 chevaux de moins. Ouais, je sais plus. T'avais 301, moi j'avais 150, je crois. On va prendre un World Circuit. Non, un original. Le World Circuit. Non, on fait comme on a dit. On fait comme on a dit. Tu fais 4 modes, pas le 5ème à la fin. Voilà, c'est ça. Non, c'est bon. Ok. Alors, on finit en beauté, mesdames et messieurs. Alors, vas-y, choisir ta voiture. Bon, mais au risque de décevoir un petit peu les gens. Ah joueurs, non, pas la même, pas la même. S'il vous plaît. Ah, le patron interdit. Un petit effort, monsieur. Bon, alors dans ce cas, on est en Allemagne, il faut bien faire honneur à l'Allemagne. Hein. Non, pitié. Pourquoi? Tu as peur? Oh tu as mon peur, dieu, monsieur, mais faites pas ça. Si, ce manque de goût. Bon, allez, d'accord. Ah, mais je déconne, mais vas-y, fais ce que tu veux. Non, d'accord. Non, mais je sais, d'accord. Je vais tenter quelque chose d'exotique. Oh mon dieu, je déconne. Le mec, j'avais content. Oh mon dieu, mais quel manque de goût. Oh, quel manque de tout goût. Tout le monde attendait que tu prennes une 4L, quoi. Ah, je vais prendre la même, évidemment, parce qu'on avait dit qu'on prenait la même bagnole. C'est vrai. T'as pris quelle couleur? T'as dit en orange? En orange. Prends-la en jaune. Ouais, je joue un petit peu. Non, attends. Vert dégueulasse. Bleu, c'est joli aussi. Bleu ciel. Ouais, j'aime bien. Laser bleu. Mais je vais prendre dégueulasse. Voiture des années 90, clairement. Après les soft, on est d'accord. Driving, ouais. Y a rien. Ok. C'est parti. Let's go. Donc, un des circuits les plus longs du championnat, avec ses 22 km, 23. L'enfer vert. Que là, tu connais, donc, la pointe des sons. Alors, effectivement, je pars en tête, donc j'ai un peu l'avantage. Alors, on va essayer d'être propre, c'est-à-dire qu'en gros, si on se percute, se touche, on est obligé d'attendre. On est obligé d'y aller les cheats. Ok, ça marche. Oh putain. Voilà, fin du jeu, bonne soirée à tous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se retrouve la prochaine fois. Pas du tout l'habitude, j'aurais pris ma Mercedes, j'aurais jamais fait ça. Cette voiture est capricieuse. Ouais, vas-y. Non, mais j'attends un petit peu. On va dire qu'au début c'est l'entraînement, le deuxième tour sera vraiment le tour. Ah, il y a deux tours, ah bah oui. Oui, il y a deux tours, donc pour l'instant il n'y a pas trop à gagner, il y a peur. Faut chauffer les pneus. Attends, les pneus ils chauffent. Ah bah tu vas gagner, je sais d'avance que tu vas gagner parce que moi j'y vais safe. Après j'ai coupé la bagnole aussi. Et on va rajouter comme règle que si tu tapes un mur, tu dois ralentir. Ok. Non, parce que sinon ça va si évidemment tu joues comme un bourrin et
Dixit, le mec tout à l'heure, il a pris le right. Oui. Là, c'est Nomori, on part sur lui. Un petit peu d'épique, s'il vous plaît. Où c'est vous, monsieur? Ah là là, on a dit qu'on faisait les choses propres, monsieur, attention. Ah bah je fais ce que je peux, hein. Je fais ce que je peux. Je joue allez, à la manette avec parti. Les flèches directionnelles. Et tu peux changer, la croix et le carré. Ah, il va toujours se trouver une excuse, hein. Oh allez, mon dieu, oh mon dieu. Hop. Bon, j'ai fait un alt tab sans exprès. En appuyant sur le bouton. J'attends comme elle se braque vers l'avant quand on freine, la caméra elle est en mode. Ah non mais. Franchement, c'est audacieux d'avoir pris cette voiture parce que très dur à maîtriser, je trouve. Dès qu'on va un peu vite, on se fout facilement dans le décor. J'aurais dû prendre l'Alpine en fait. Cette voiture, c'est tellement un bijou à piloter. Je vous ramène à la première vidéo. Oui, j'ai fait une erreur, donc j'ai freiné avant d'aller tout droit. Tu dois avoir l'aspiration, mais bon, on va être très léger. J'ai fait un petit coup de short shifting. Merde, merde, merde. Toujours un plaisir quand même de rouler. Alors j'aime pas ce circuit spécialement, mais j'aime bien les dénivelés. De quoi? Parle pour toi. J'aime pas du tout cette voiture, pourquoi j'ai choisi, je ne sais pas. Ah, si tu veux, on prend la Mercedes, hein. Je te laisse l'occasion. Non, non, mais t'inquiète. Wow, on va essayer de faire les choses comme on a dit. J'assume. J'assume. Dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Pardon. Oh, pardon. Allez, bonjour, monsieur. Couvre un petit peu tes fesses. Bon, je précise qu'on habitude que je suis l'host, donc il y a potentiellement un peu de latence pour mon collègue, donc. Par quand même avec un petit désavantage quand même, mais bon. Mais bon, il me mettait quand même la pâtée quand on jouait sur mon PC et que c'était moi le host, donc. Donc voilà. Vous avez la pression. Et là, si je souffle. tu conduis comme un grand malade, je sais pas du tout comment tu fais, franchement, pour tenir ta caisse à des vitesses pareilles. Oh, bah c'est l'habitude du jeu aussi. Jeu, quoi. Ouais. Bah, une fois que t'as compris, ses capacités de freinage, quand t'accélères et aussi le poids qu'elle a, c'est plus facile après de régler pour la suite. Mais c'est extrêmement dur pour moi de gérer la voiture en mode binaire comme ça, tu vois. C'est genre même les flèches ou que ce soit croix carré pour accélérer et freiner. Oui, parce c'est vraiment vrai binaire, que... quoi. C'est tout ou rien, quoi. C'est vrai que je suis en mode 197, c'est toi aussi, du coup, par extension, mais bon. Après, je peux te proposer de faire juste pause et remettre ton mapping, hein. Non, t'inquiète. Pour les biens de la vidéo de nos très chers téléspectateurs, j'aime quand tu ralentis la vidéo. T'as les flammes d'air, c'est magnifique. Alors, faut freiner, mais pas trop. Ah si, en fait, si. Je reconnais pas les. Je connais pas trop là. Ah si. Sur 150 mètres à gauche, en double droite sur intérieur gauche 80. Il va prendre l'extérieur. Oh là là, c'est magnifique, elle passe d'armes. Ça c'était beau ça. Ça fera un beau replay ça. Personne ne le verra. Non, je déconne. Bien sûr que si, mais bien sûr que si. Oh la vache. Ah, faut y aller à la limite. Ah, voilà, trop à la limite. Du coup, je ralentis parce que je me suis foiré. Et voilà. J'ai été trop prétentieux là, je pensais vraiment pouvoir y aller comme un taré et c'est pas possible. Tu sais que Nürburgring, pour se souvenir, c'est chaud. Hein. Faut vraiment.
Ah moi je l'ai bien mémorisé par contre, je te jure que... Ah non, non, moi j'en découvre un peu... 15. Oh la vache. Oh là là, notre séance de drift. Sur Project Cars 2, je l'ai vraiment bien mémorisé, je me fais des runs, des fois je me crache pas du tout. Quoi. Mais vas-y, avance, hein, t'inquiète. Si vraiment j'y arrive pas, je te dirais avant de tirer, ralentir. D'ailleurs, nous arrivons sur le virage le plus célèbre du Nürburgring sur YouTube, où il y a toutes les vidéos auto-addiction. Ici, la remontée, le virage à la droite. Et même, est-ce qu'il y a les gens à gauche? Est-ce qu'il y a les... Non, il n'y a personne. Je voulais faire un drift, mais personne, c'est dommage. En fait, c'est quand je rétrograde qu'il y a les flammes. Et ouais, ça c'est cool. Bon, j'espère que t'as commencé à prendre la main sur la voiture parce qu'on est en... pas encore au deuxième tour. Hein, mais... À peu près, ouais, à peu près. Ouais. En fait, faut vraiment faire tapoter quoi la flèche et. Ouais, c'est et ça. Le freinage. Faut poser, mais en tapotant. Hein. Quel malade, quel malade, quel malade! Bon, j'ai tapé donc je vais ralentir quand même. De toute façon, j'ai fait de la merde. Oh non, vas-y, c'est bon. Non, t'inquiète. Non, mais j'ai ralenti parce que je t'ai dit, bah, c'est à la déloyale donc je dois quand même tout ça. Merci. Même si je pensais vraiment passer. Finalement, ça s'est pas trop fait comme peu. Aïe, 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 par contre, là c'est la. Ouais, j'ai fait un peu n'importe quoi, là, désolé. De toute façon, c'est le passage lent ici. Gros bruit au passage, là, là-dessus, ça. Bon choix, hein, moi j'aime bien. Ouais, elle est dure à prendre en main. Pas trop puissante, pas trop lente, bonne physique. Voilà, ça. Plus jolie en plus, c'est une belle voiture. Joli dépassement, ça. Eh non, tu reprends l'intérieur. Donc là, on est dans la ligne droite. Alors, l'aspiration, ça va être compliqué, mais de toute façon, c'est pas grave. C'est celui qui fera en dernier qui va perdre. Alors, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait pas un circuit façon. ICLD, tu vois. Ah, tu veux dire montagne japonaise. Alors, il y en a dans les autres tourisme, donc potentiellement. Un jour, vous y aurez droit. Mais voilà, ici, il n'y a pas trop ça. Eh, si l'aspiration marche bien quand l'aspiration, même. L'aspiration, hein. Ça fait le taf, ouais. Ouais. Oh putain. Par contre, le décrochage. Oh putain. Quel malade. Ah non, 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 quel malade. C'était pas prévu, j'ai juste perdu la contrôle. Mais bon. Les enfants ne font surtout pas ça dans un tour. Voilà, on arrive au premier tour, donc je vais te laisser. Voilà, et on va enchaîner. Donc là, non, le circuit en mode normal, et c'est parti. Et on va essayer d'être très propre, pas comme ça a été là le cas pour ce premier tour. Comme si notre vie en dépendait. Non, je suis un kamikaze, j'ai rien à foutre. Attends, je parle pas, mais. Ouais, vas-y. Concentre-toi. Pas de soucis. Même si, de toute façon, j'aurais quand même un avantage, c'est de voir ta voiture avant et voir où tu ralentis. Oh, c'est magnifique, putain. Oh, les flammes derrière là, c'est. C'est le moment de mettre à profit tout ce que j'ai appris dans les vidéos de auto-addiction. D'auto-addiction, par moi. Il va falloir que je profite tout ce que j'ai appris dans le film Taxi et Carmageddon. Ce que vous sachiez sur moi, c'est que je passe énormément de temps sur YouTube à regarder des vidéos du Nürburgring en fait. Aïe aïe aïe. Du coup, en vrai, théoriquement, je sais exactement où il faut freiner, où il faut passer et tout. Mais après, c'est plus dur à appliquer que. Alors, mine de rien, dépasser à la legit sur le Nürburgring, c'est chaud. Hein. Là, j'ai eu deux passages où je me dis je vais le tenter, mais en fait, non. c'est compliqué. J'ai la vitesse, mais. Wouah, comme t'as freiné. J'ai freiné tout doucement en plus. Ouais, mais je le voyais pas. Enfin, les phares au loin, c'est chaud. De toute façon, je te dis, si j'ai échoué que je te tape, tu repars devant. Hein. C'est pas le problème. Ouais, j'ai compris. Ça joue legit. Taper le rupteur. En plus, il y a un truc que vous voyez pas trop. Oh RIP. Oh, mais je ralentis.
meurs première et c'est reparti. Et c'est reparti, vas-y. Ah ça je compte, même si bon c'est pas parfait, c'est quand même mieux qu'au premier tour hein, niveau maîtrise. Ouais, ouais c'est clair. Ouais ce que vous ne voyez pas, enfin je pense que vous ressentez pas trop, c'est que vraiment la voiture si vous allez sur le vibreur ou un petit peu sur le côté, elle est inconduisible, c'est vraiment elle part d'un coup. Faut vraiment genre contre-braquer de suite quoi. Voilà, et pas trop parce que sinon c'est le coup de raquette. Ouais. Sachant qu'on joue avec des flèches directionnelles, on le rappelle. Oh mon dieu, excusez-moi monsieur, je vous laisse passer. Ah non, vas-y. Non, j'ai roulé dans l'herbe, j'ai fait une faute, vas-y. En fait, j'ai pas de passer, donc c'est pas grave. Ah si, c'est bon. Ok, c'est parti. C'est ça la conduite entre gentlemen. Oh oui. Oh oui. Ah bah voilà, tu vas pouvoir passer. Ah, terrible. Ouais, non, ouais, mine de rien, être suiveur c'est quand même plus facile qu'être devant. Hein. Voilà, c'est vraiment le virage le pire. Quoi. Je déteste. Moi je peux faire la reconnaissance parce que, comme je disais, j'ai bien le circuit en tête. Alors qu'est-ce que j'aimerais y aller en vrai? Un jour je vais y aller en vrai, putain. Oh, mais y aller c'est pas un problème, c'est juste. Ça va faire bizarre. Non, mais voilà, non, mais y aller et rouler sur le circuit et pas péter sa voiture. Ah, t'y vas en bus. Non. Tu vas en autocar. Mercedes, c'est celle qu'a merde, j'ai tapé, je te laisse passer. Ah ouais, du coup. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai pas fait gaffe, mais regarde, j'ai consommé plus que toi. Ah, y'a la consommation dans ce jeu. Ah oui, j'avais oublié. Ouah, c'était limite, hein. Putain. On sent le joueur de Gran Turismo versus le joueur de Project Cars. Project Cars ou de Forza. De Forza. T'es plus en Forza en ce moment. En ce moment, ouais, c'est vrai, mais j'ai encore fait un petit Project Cars aujourd'hui. C'était bien sympa. Tourner sur le Nürburgring avec une Mégane RS. Alors, je rappelle que Guillaume est pilote dans la vraie vie. Non, je déconne. tu fais des faux plans, tu sais. Aspirant pilote, peut-être, un jour. Attention monsieur, je ferme la porte, je suis désolé, j'ai pas fait exprès. Alors, je te passe, de toute façon je voulais pas aller à fond, je sais pas si c'était ce virage, je m'étais fait avant tout à l'heure. Enfin, sur celui-là. Et voilà. Je suis désolé, mon dieu, ça a coûté cher tout ça. Bon, du coup je repars. normal. Mais ouais, tu sais, tu fais passer des fausses infos, c'est dans la vidéo. Non mais non, jamais. Mais on peut aller tomber à gauche peut-être là-bas, regarde, il y a un virage à gauche là. Alors, en fait là ce virage à gauche pour la petite histoire c'est qui mène à la boucle du vieux Nürburgring. Ah oui c'est vrai. Qui a été abandonné d'ailleurs. Et où on peut aller aujourd'hui c'est de la route ouverte. Ah oui bah, je vous dis je connais très bien mon sujet. J'ai beau ne jamais avoir foutu un pied là-bas. Je suis vraiment passionné par ce circuit. Ouais, comme tu freines, tu fais quoi là? Ah, mais en fait, j'ai pas passé le rapport, je suis désolé. Je suis comme une mamie, tu sais, la mamie qui sort du Carrefour Market en seconde à 70 km/h. Ou en première plutôt. Ouais, oh, putain. Comme la dernière vidéo de Villebrequin, oh mon dieu. Juste excellente. Oh là là, j'ai tapé. Quel grand malade ce mec. J'ai du mal à le suivre. J'aime pas prendre des risques comme ça. Frein à main quoi, mais ok. Bah ouais, je vais prendre un peu de risque, sinon c'est pas drôle. Faut vraiment... tellement caractéristique le bruit du frein à main dans ce jeu. Ouais, par contre ça c'est toujours le truc qui a tellement mal vieilli quoi. Le fameux virage. Par contre, il y a un truc qui est mieux fait dans Gran Turismo 4 que dans Project Cars, c'est qu'il y a les écritures sur le Nürburgring. Ah, c'est vraiment, il y a toujours eu des écritures sur le Nürburgring. Ah, mais elles y sont pas dans Project Cars. Bon, si tu restes derrière, normalement, dès qu'il y aura une droite, t'auras une énorme aspiration. Ouais, enfin, si je suis pas trop à bonne distance, quoi. Wow. Aïe. C'est bon, j'ai réussi à rattraper.
c'est détendu. Putain, là, là, y a la ligne droite en plus bientôt. Ah, l'échec! Mais non, t'es pas obligé de mettre ça. Non, je vais faire un échec critique. Là, c'est bon, là, t'as ralenti, là, tu peux. Tu non, peux non, partir, non, tu dois repasser, ouais. Je fais quoi, tu fais un échec, tu dois laisser ça. En plus, c'était un gros échec, hein. C'est pas un petit choc pourri. Tu sais ce qui est un plus gros échec, c'est mes passements de rapport. Ouais. Oh mon dieu. Ah, je dois repasser. Bah justement la ligne droite, c'est un petit peu plus loin. Pardon. Mais non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je sais quoi là. Monsieur, 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 monsieur. Je vous demande de vous arrêter. Oui, c'est moi qui prends la spi. Je ferai un main descend prendre. Vous ne passerez pas. Oh, je fais la pluie. Oh, je ne bouge pas, hein. Je suis resté sur la ligne. Je n'ai même oh, pas bougé. Quel échec. Oh là là. Quel échec critique. Ça y est, là, là il est dégoûté. Là. Aïe aïe aïe. Bon. Bon bah c'est un échec. Ouais, un échec sur la fin. Un échec sur la fin. Est-ce que tu veux faire une dernière? Je propose qu'on se regarde un petit peu de replay. Alors, le problème du replay sur Ring, c'est que c'est très très long. Et le premier tour. Et le premier tour. Ouais, mais le premier tour est vraiment trop. Mais non, trop punitif, quoi. Regarde, on peut mettre la Google Cam. Google Cam! J'adore la Google Cam! Oh là là, oh là là. Terrible. C'est magnifique. Ouais, mais moi aussi. C'est pas beaucoup plus jeune. Là, il m'attend. Non, je ne peux pas afficher ça aux téléspectateurs, s'il vous plaît. Allez, on va passer à la suite. Ça roule. 48 minutes, petite dernière. Je pense que la speedring est bien. La speedring, l'avantage, c'est qu'il est assez large. On prend la même bagnole, tu choisis ce que tu veux. Et je prendrai pareil. Ah mince. Alors, on va éviter pour un truc que je peux maîtriser. Ah. Ah oui. Ça c'est maîtrisable pour moi. Ça va les gens, vous battez pas trop, ça vous donne pas trop envie ce genre de voiture. Non mais vous le dites, hein, vraiment. Hein. Alors ce soir, d'être là, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge sur la vidéo. Ah mon dieu, c'est scandaleux. C'est parti. Oh là, elle monte même moins vite dans les tours que ma voiture. Incroyable. Bon. 4 cylindres en ligne. J'essaierai pas tout de suite parce que je pars devant. Non mais vas-y. C'est bon, regarde, c'est juste pour se remettre. J'ai l'impression d'être son pote handicapé. Non mais je pars toujours devant, du coup c'est pas normal, c'est pas normal. Mais si c'est normal, le joueur 2 il est inférieur, ça devrait être inférieur. Subis mon autorité. C'est soit le petit frère, soit le cousin relou qu'on se traîne partout. Soit le pote avec qui on fait des vidéos. Je vais changer de caméra, ils sont donné l'impression de vitesse quand même. Non, cette caméra est pas mal. Allez, aspiration. Bon, on va la jouer avec le quand même, hein. De toute façon l'allure où on va ça va être facile. Moi je trouve que ça va vite quand même. Parce que putain, oh sur une échelle de... Moi je suis dans ma voie, hein, et toi t'es pas du tout dans ta voie. Mec, sur une échelle de 1 à 20 c'est réglo, de...
Regardez-le comment il sait pas conduire avec une couteau là. Tic tac, tic tac, tic tac. Elle a aucun grip de voiture. Avance, touriste. Même à 100 km, elle avance pas, elle tourne pas. Ouais, mais pour aller faire les courses, elle est pratique. Et pour emmener les potos en vacances, elle est cool. Mec, il met même pas son clignotant. je pense que ça donnait dans la caméra, puis j'étais noir sur noir, c'était magnifique. Allez, short shifting, on va le baiser comme ça. Mais comment fait-il? Le mec, il a cru qu'il allait m'avoir avec le plus vieux truc du monde. Quoi. Ouais, c'est clair. Tu m'as pris pour une Tesla ou quoi? Et attention, je passe! Aïe! Allez, colère! Le respect a disparu quoi! C'est clair, y'a plus de respect là! Oh, le sous-virage de fou! C'est vous monsieur, j'arrive dans l'extérieur. Heureusement maximal. Oh oh. Ah il a voulu faire le kéké malheureusement. Le Wish. J'aurais peut-être pas dû acheter mes pneus sur Wish. Est-ce que t'es déjà monté sur un fumoir dans la vraie vie? Négatif. Bah, je peux dire que c'est absolument pas agréable. Et toi, oui? En quartier, c'est horrible. Ah. Mais ça vibre quoi? Ouais, c'est plus que vibre, mais bon. Aïe aïe aïe. Coup dur pour Guillaume. C'est le cas de le lire. Je me suicide du coup dans le mur. Bon, bon mais comment dire, ça a été une vidéo instructive. Instructive, ouais. J'ai gagné une fois. Le monde m'en soit témoin. J'applaudis pour la postérité. Bon, on va se laisser là-dessus. Sur une voiture qui démarre pas. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao Guillaume. Salut.